Tu es vraiment doué. Merci, j'ai toujours eu la danse dans la peau. Milly, pour ton information, je suis en colère après Antoinette. Donc j'ai décidé que je ne serai plus sa sœur. C'est pas vraiment un truc que tu peux choisir. Très bien, alors je ne lui adresserai plus jamais la parole. Du coup, vous allez devoir jouer avec moi aujourd'hui. Mais Marie, on était déjà en train de jouer. Vous étiez en train de jouer. Maintenant, vous allez faire un défilé de mode avec moi. Je jouerai le rôle du mannequin et vous serez le public qui me dira à quel point je suis sublime. Mais j'aime pas ça, moi, la mode. Petite clé, tu as brillé. Les amis partent tous sur Magiki. Votre Altesse. Vous arrivez au bon moment, Princesse Milly. Votre carrosse vous attend. Comment ça, Comtesse? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ne parle que de ça dans tout le royaume, Princesse. Le papillon royal aux ailes de saphir est enfin de retour à Magiki. Nous avons de la chance, il ne revient qu'une fois tous les 100 ans, pour une journée seulement. Il se pose sur certaines fleurs et les fait éclore. Quand cela se produit, elle dégage une odeur absolument fabuleuse. Waouh! Ça a l'air extraordinaire! Ça l'est! C'est pourquoi nous avons organisé une expédition pour que vous puissiez assister à cet événement rare. Tu vas venir avec nous? Rien ne me ferait plus plaisir, mais de nombreuses tâches m'attendent ici. Cependant, pourriez-vous m'accorder une faveur? Cet appareil est un enregistreur de souvenirs Magiki. C'est comme un appareil photo, sauf qu'en plus, il peut enregistrer les sons et les odeurs. Vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton. Mesdames et messieurs, Marie est là. Princesse Marie, qu'est-ce que tu fais là? Jusqu'ici, nous passions une excellente journée. Antoinette n'arrête pas d'éternuer. Oh, j'en peux plus, c'est insupportable. Donc je suis venue ici pour passer la journée avec vous. Désolée, Princesse Marie, mais on était sur le point de partir en expédition pour trouver le papillon royal aux ailes de saphir. J'adore les expéditions! Allons-y! Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place dans notre carrosse. Ce qu'il veut dire, c'est que ça nous ferait plaisir que tu viennes. Mais ça risque d'être un peu serré à l'intérieur pour une princesse comme toi. Dans ce cas-là, la licorne peut très bien rester au château, non? Je vous attends dans le carrosse. Je devrais peut-être me sentir vexée. Mais non. Pourquoi vous l'avez invité à venir avec nous? Par politesse, je ne pouvais pas lui dire non. On va quand même tâcher de s'amuser, je vous le promets. Pouvez-vous m'enregistrer ce moment? Je vous en serai éternellement reconnaissante. Mais bien sûr, Comtesse Elisabeth. Fais attention au trou. J'aimerais bien vous y voir, vous. Il va se calmer, le matou. Oh, je m'ennuie, elle est trop nulle, cette expédition. Eh bien, on n'a qu'à faire un jeu. Super! Jouons au jeu des 20 questions et elles seront toutes sur moi. Ok, première question. Quel est le dessert que j'aime le regarder? Le papillon royal aux ailes de saphir est sûrement venu ici. Je pense qu'il est parti par là-bas. Oh, suis ce chemin, Sir Matoucha. Bon, on continue mon jeu, quoi. Question numéro 97. Quelle est la couleur que tu aimes le plus? Il me semblait que le but du jeu des 20 questions, c'est de s'arrêter à 20 questions. Regardez, voilà le papillon! Surtout, n'oublie pas. Vas-y doucement, ne fais pas de bruit.
fait peur et il est parti. Oh, j'ai pas fait exprès de le faire fuir. Je te disais juste quelle était ma couleur préférée. Vu que personne n'a essayé de deviner, vous préféreriez que je ne sois pas là. Mais non, on est content que tu sois là. Oui, enfin, parle pour toi. Sire Matoucha, mais Princesse Marie, on est venu ici pour voir le papillon et on veut un souvenir de notre rencontre avec lui. Très bien. Allons à la recherche de votre papillon. Le revoilà. Cette fois, il faut vraiment qu'on ne fasse aucun bruit. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde, moi? Surveille-la de près. J'ai l'impression qu'elle mijote quelque chose. Ce papillon, il est à moi. Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? Relâche-le, tu ne peux pas le capturer. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. On est des princesses. Aïe! On savait bien que toi et ta petite cour, vous alliez réussir à trouver le papillon. Pourquoi s'embêter à le chercher pendant des heures alors que c'est plus simple de vous laisser faire tout le travail? À la prochaine! J'en étais sûre, je savais qu'elle préparait un seul coup. Je n'ai jamais pu les supporter toutes les deux. Oh, Princesse Millie, les arbres et les fleurs m'ont dit que le papillon royal aux ailes de saphir était en danger. Oui, on sait, les princesses jumelles l'ont capturé. Oh, elles l'ont capturé? Mais oh non, vous devez tout de suite aller le délivrer. Si le papillon n'est pas en liberté, il va perdre son pouvoir magique pour toujours. Calme-toi, Zaza, on va sauver le papillon. Mais comment est-ce qu'on va faire pour le reprendre aux princesses jumelles? Elles nous ont piégés, alors on va les piéger à notre tour. Halte là! Sydney, j'ai failli tomber et écraser notre nouveau compagnon. Oh, qui êtes-vous? Je suis le docteur Millie Stourie. Et lui, c'est mon collègue docteur. Une épidémie d'atchoumerie aiguë a frappé le royaume et nous devons donc examiner tout le monde. L'atchoumerie? Oh, ça a l'air très grave. Ça l'est, mesdemoiselles, croyez-moi. Les personnes qui l'ont attrapé doivent être soignées immédiatement. S'il vous plaît, ouvrez la bouche et faites... Ah! Ah! Non, dans scalpel, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Il faut qu'on fasse des examens plus approfondis. Ouvrez grand la bouche et faites Docteur Millie Stourie, c'est de loin le cas le plus grave que j'ai vu jusque-là. Je suis d'accord, c'est encore pire que ce que je pensais. Oh, oh non! Est-ce que je vais survivre? C'est toujours dur de trouver les mots pour annoncer une telle nouvelle. Vous êtes atteint d'une forme avancée de double atchoumerie très aiguë. Oh, tout ça, c'est de ta faute. Hein? N'importe quoi. Attends, tu rigoles. Si tu n'éternuais pas tout le temps, on irait très bien. Ça signifie que vous ne devriez pas mentir et manipuler les gens pour qu'ils fassent quelque chose de méchant pour vous. Oh, mais on fait tout le temps des choses méchantes. C'est comme ça qu'on s'amuse. À partir de maintenant, le papillon royal aux ailes de saphir est libre. C'est notre papillon. Absolument pas. Il n'appartient à personne. Tu as peut-être gagné cette fois, Princesse Millie. Mais la prochaine fois, vous vous en sortirez peut-être pas aussi bien si vous... Si tu n'arrêtes pas tout de suite d'éternuer, je vais me trouver une nouvelle sœur jumelle. Princesse Millie, je pense que la comtesse Elisabeth appréciera beaucoup ce souvenir. Tu sais quoi? J'ai une bien meilleure idée. On s'est
t'ai dit que c'était tellement beau que tu devais voir ça de tes propres yeux. Vous êtes la plus formidable des amis. Oh, oh. Oh, mais il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un gros câlin. Ne gâche pas un si beau moment, lapin câlin. Princesse Millie, nous avons beaucoup de chance d'avoir une princesse comme vous. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous et Magiki. Marie, Thomas et moi, on ne veut pas faire un défilé de mode. Ouais, la mode, c'est pas vraiment mon truc. On veut jouer à notre propre jeu, mais si tu veux te joindre à nous, ce sera avec plaisir. D'accord, je veux bien jouer à votre jeu. Mais c'est moi qui commence. Ha 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 ha!